Les prix du syndicat de la critique de cinéma, d'abord c'est nos prix à nous, journalistes et critiques de cinéma. Donc c'est l'aboutissement d'une année de regard sur les films, d'envie, de partage, et remettre ces prix au bout du compte, c'est vraiment constater ce qui nous a émus, ce qui nous a passionnés, ce qui nous a emportés, et le faire tous ensemble entre critiques et journalistes de cinéma, et partager ça avec les gens à qui on remet des prix, c'est un vrai bonheur qui a lieu chaque année, mais qui est un bonheur absolu. Alors le prix singulier, c'est un prix qu'on a créé il y a quelques années pour justement distinguer un film un peu différent. Évidemment, dans les prix, il y a forcément les meilleurs films de l'année, donc potentiellement les films qui sont allés à Cannes et qui ont déjà eu des prix, les films qui seront récompensés au César. Et donc on voulait se singulariser et donner un peu, mettre en avant un film qui n'aurait pas forcément eu le même impact que certains autres. Et donc on a créé ce prix qui est remis par un jury formé d'adhérents et qui change tous les ans. Et cette année, donc, le prix est remis à Bird People de Pascal Ferrand, et je suis vraiment très très contente de ce prix parce que c'est un film qui s'envole dans tous les sens du terme, et c'est un film qui a peut-être un petit peu surpris au moment de sa sortie et peut-être pas forcément trouvé tout son public, et j'espère que, j'oserais pas dire grâce à nous, mais que la mise en lumière par ce prix va aider aussi à donner envie aux gens de voir ce film. Ouais. Les Césars arrivent après nous, et c'est vrai qu'il n'y a pas, on réinvente pas l'année cinématographique, on ne fait que la constater, et donc c'est vrai que souvent il y a des choses qui se recoupent entre nous et les Césars. Il y a également les lumières de la presse étrangère. Nous sommes des professionnels qui regardons les films, et il y a un partage, forcément une ligne de partage sur les œuvres un peu fortes de l'année, qui fait que oui, peut-être que les prix qu'on va remettre ce soir ressemblent ou ressembleront un peu aux prix qui seront remis plus tard, et notamment à l'Académie des Césars.